L'hippogriffe, alors vous êtes dans une situation où les choses vous semblent un petit peu impossibles, vous avez l'impression que voilà, c'est tout est bloqué, que les choses sont pas, enfin que c'est pas imaginable que ce soit possible, mais en fait la situation, cette situation là, elle peut être débloquée et elle peut se matérialiser et elle peut être possible justement. Il y a aussi une notion de prise de conscience avec cette carte, que si jamais vous avez vraiment envie de quelque chose, de vos rêves, en fait il faut croire en vous pour arriver à ce que tout ça se réalise et se concrétise. Peut-être que vous avez beaucoup d'ambition, mais cette ambition, elle vous permet de regarder derrière les obstacles, derrière les portes fermées, et justement, elle vous permet d'avancer, et cette persévérance-là vous amènera quelque part qui vous correspond. Derrière, on tombe sur le roc et lui symbolise la réussite. Donc encore une fois, c'est plutôt positif avec la première carte. Il y a aussi cette notion d'élévation spirituelle et intellectuelle, un épanouissement. Attention, donc là, c'est plutôt un dénouement heureux d'une situation voilà, qui semblait bloquée et que tout se passe comme vous voulez. Après, attention, ça ne veut pas forcément dire que c'est exactement ce que vous voulez qui va arriver, mais le fait de tendre vers ça, ça va vous ouvrir des chemins, le fait d'y croire, d'y aller avec ambition, de croire en vous, de croire en vos rêves, ça vous ouvrira des portes qui seront bien en adéquation avec vous. Et là, ces deux cartes, il y a quand même cette notion de dénouement heureux.